write là the video avant là une fini couvrir ça ce topic là angle between a line and the x axis quand tu as gagné ta ligne là je vais gagner des points pour faire là nous avons deuxième subtopic angle between two lines si nous avons utilisé la ligne de gradient comment tu gagnes angle between the two lines ok allez right. Nous prenons deux méthodes pour faire ça première méthode une petite formule qui te capable de servir veux dire faire comment j'ai tenu la ligne qui tenait la ligne noire ici ça la ligne noire là tu peux trouver ce gradient im1 et dans la ligne rouge ici gradient de la ligne im2 ok tu as de la ligne tu as utilisé ce gradient m1 et m2 right là à cette élémentaire de moins angle que ça de la ligne là peut venir joindre de côté la ligne là peut venir joindre les périodes sans angle là comment tu peux gagner sans angle là ok première méthode tu es capable de passer par sa formule là une formule qui tu es capable d'apprendre pas obligatoire mais si tu te rappelles tu es capable de le direct pour te gagner sans angle theta là tu es capable de servir sa formule là tan of theta égale tu retires sa diffraction là sa dégradient là divise par 1 plus m1 m2 ok tu es capable de passer par sa formule là ou si tu n'as pas envie de passer par sa formule là nous vous servir raisonnement de vidéo avant là qui si tu es un ingrédient de sa ligne là tu n'as pas fini avec cet angle ici là si tu n'as pas gradient de saline tu n'as pas fini avec cet angle ici là là si tu connais cet angle là là tu fais 180 tu retires cette somme tu as fini avec cet angle ici là et là nous pouvons faire toutes les deux méthodes ok allez nous travaillons une question si me donne toi sa question là find the acute angle between these two lines mais j'ai un de la ligne qui me pose besoin à l'autre angle en dessous et acute angle alors qui nous pouvons faire nous dessinons un axe après nous c'est sketch ça de la ligne là. Right et then la ligne ici ce gradient les deux ce gradient les deux il y a un peu un gradient comme ça un petit faux gradient les deux il coupe y axis sur négative 1 sur y intercept et nous dessinons un peu comme ça une inclination comme ça right, là. Ça c'était la ligne avec gradient 2 première la ligne next and la ligne ce gradient n ni pour incliner un petit comme ça qui pas pour useuse et qui coupe y axis sur 4 c'est la ligne à point de ça format là on dessine avec un autre couleur la ligne là disons les comme ça right. Right, là ça c'était la ligne avec qui gradient n ali ça la ligne ce gradient li n ok là là qui me demande toi de moi angle between the two lines ça veut dire angle between the two lines il y a un angle ici là. Angle theta là. Mais comment nous pouvons gagner cet angle theta là? Ok, nous essayons de passer par sa première formule là, ce qui me dit que nous mémoriser. Ok, si tu ne rappeler sa formule là, Lyon. Right là. Allez, nous essayons de passer par sa formule là. Cette formule là qui est déjà toi. Right là. Là, nous avons la ligne qui est ici, nous avons la ligne, nous avons un autre gradient. N là, ce gradient est N, le là, ce gradient est 2. Ok, right. Ça veut dire que nous prenons première la ligne sur le gradient de n, deuxième la ligne sur le gradient de 2. Alors, nous rappelons sa formule là qui est tan of angle theta là, est égal à m1 de n, retirer m2 de 2, over n plus m1 fois m2 de 2. Ok, là, si nous simplifions, nous avons tan theta égale n retiré 2 fait négative 1, over ça, ce n'est pas n point 2, c'est n fois 2. Nous avons n plus n fois 2 fait 2, et n plus 2 fait 3. Ok, là, là si nous avons un angle theta, nous pas gagner ce problème, monsieur Zal. Il vient de tan inverse of negative n low 3. Ok, qui peut venir moins 18.4. Vous finissez qu'on est là, là si tu parles fait un grimace de l'élève, il peut venir 18.4 même. Ok, ce qui passe, c'est 20 dedans. Soit on a le qui angle avant, comme on a un petit fait. Ou nous voyons à la fin, il peut venir 18.4. Si on étudie depuis là, qui m'en fait. Right là, tan inverse de n low 3, pareil, tan inverse positive, il peut gagner 18.4. 18.4 right, là ça lui fait 18.4 degrés ok là la next quadrant toujours même mouvement ça je peux profiter tan négative ici et ici mais nous pouvons choisir ici là et comment tu gagnes ici là donc quadrant second quadrant tu besoin faire 180 retire 18.4 là tu gagnes réponse à combien 180 retire tu les deux perdu les temps là tu es capable c'est même perdu les temps si tu penses ça passe pas tout ça procédure là right là mais à ce ça c'est obtuse angle parce que écoute moi bien si tu get angle between sa ligne rouge là avec sa ligne bleue là il y a quatre angles il est capable de prendre il est capable de prendre cet angle là parce que il y a angle between la ligne rouge et la ligne bleue il est capable de faire cet angle ici là il est capable de faire cet angle ici là mais je vous parle parce que cross angle ça des angles là pour theta il est capable between cet angle ici là vraiment si parce qu'il est toujours angle between la ligne rouge et la ligne bleue là
right? Mais là, si tu observes bien, nous capable gain 60 angle acute là, 60 angle obtuse là. Tous les deux angle li pou angle between the two lines même ça. 60 angle ici là qui li pou pareil au fita, 60 angle ici là li pou pareil avec ça angle là parce que les cross angle ou soit vertically opposite angles. OK, veut dire moi pas payer envie là mon angle 161.6 degrés là. Mais il demande de moi acute angle. Alors qu'il me faut besoin faire pour que ça acute angle là. Vous faire 180 retirer 161.6 degrés qui dit vous virer 18.4 degrés. Je veux dire quand une fitting est négative cet angle là, c'était là quand tu tapes tan inverse négative n 2 3, tu es capable de prendre ce positive value. OK, ça veut dire réponse à 18.4 degrés. OK, mais qui arrive si vous pas rappeler sa formule là? Est-ce qu'il y a un plan B si vous pas rappeler sa formule là? OK, et un plan B. Que pas possible que vous êtes capable de servir ça raisonnement là côté tan of theta égal gradient de la ligne là separately. Veut dire moi tu peux prendre ça des voilà, suivre. Moi tu peux prendre ça des voilà, moi tu prends le route single ici là avant. Right, là, moi le route single ici là, suivre. Veut dire ça c'est angle between sa ligne rouge là avec sa x axis. Comment nous gagnons ça? Nous servir tan theta égal gradient de la ligne là n. Et la theta qui peut venir, tan inverse of n, qui peut demander 45 degrés. Et quand tu peux remarquer, bien là, soit tu peux gagner un angle, soit un angle de l'autre côté. Nous peut envie de ce triangle là. Right, là il peut paraître acute angle, veut dire 45 degrés. Next, ça c'est mal rôde cet angle ici là. Là, il peut paraître un obtuse angle qui me parle rôde là. Ok, et là, qui nous peut faire? Angle between sa ligne bleue là avec x-axis, c'est tan of theta égale gradient de la ligne là. Tan of theta égale 2. Et là, theta qui vous venez? Theta vous venez tan inverse of 2. Tan inverse of 2 qui donne moi 63.4 degrés. Mais là, il est tricky là. 63.4, c'est ça angle ici là qui donne gain là. Non. Oui, ça c'était angle acute. Mais moi, je vais vous dire angle reflex angle qui en dans ce triangle là. Là, tu vous en fais 180. Retirez 63.4. Quand tu fais 180, tu retirez 63.4. Tu peux gagner 116.6. Il vient 116.6 degrés. Et le single ici, il vient 116.6 degrés. OK? Là, comment tu finis gagner ça des angles là? 45, 116.6. Pour gagner ça, acute angle ici, c'est facile parce que c'est d'un triangle, tu as un interior angle pour gagner un troisième là qui te fait. Tu fais 180, retire, somme 45 plus 116.6 degrés. Nous gagnons aussi, nous gagnons la même réponse. C'est-à-dire, si nous faisons 180. Nous retire 45 plus 116.6 degrés. Qui paye de moi 18.4 et ça même qui me expect. Il vient 18.4 degrés. Ok, vous trouvez avec déjà une méthode là, je vais finir la réponse là. Mais déjà, je vais proposer des méthodes là. Première méthode, nous servir sa formule là. C'est que je te rappelle d'ailleurs là. Tan of theta égale right to subtract the angle divise par 1 plus m1 m2. Ça c'est. Première méthode et direct te finir une réponse. Ça c'est première méthode. Tu rappelles sa formule, si tu as réussi, rappelle sa formule, tu pourras se répondre. Soit tu as une deuxième méthode qui me prend une ligne individuellement. Je connais que si ça mon x-axis, ça c'est mon ligne et gradient, je connais le m. Pour gagner ça, angle theta là, je connais tan of theta égale gradient de la ligne là. Ok, tan of theta égale gradient de la ligne là. De là, je finis gagner ça mon angle ici là. Mais fais bien attention, besoin de dessiner le dessin qui est bien qui angle, get ça déjà méthode là. Mais je vais gagner ça sur 63.4. 63.4 c'est ça angle à droite là. Mon numéro d'angle en redonne là, pour vous inverser 180 retirer. Et là, vous savez, sum of interior angle d'un triangle, vous finissez la réponse là. Mais j'aimerais proposer des méthodes, je vais gagner un goût lequel qui vous soit, je vous servir, si je connais tous les délits pour moi. Ok, mais ça n'a pas pensé un peu plus facile. Ok, il y a une belle affaire de place, vous allez apprendre sa formule là, tu as oublié de l'examen de place, mettre moins, tu dois mettre plus. Mais qu'est-ce que tu as?